Yo, juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire qu'il y avait un petit concours en ce moment sur mon Twitter. Pour y participer, rien de plus compliqué, vous avez juste à vous abonner à la chaîne. C'est un concours réservé quand même aux abonnés. C'est pour vous remercier d'ailleurs pour les 20 000 abonnés. Ensuite, vous devez simplement mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, puis mettre un petit commentaire. Pas de je participe, parce que sinon ça sera considéré comme du spam. Donc vous pouvez mettre un petit commentaire, ce que vous avez pas fait de la vidéo, ou ce que vous voulez tout simplement. Ensuite, vous devez aussi aller dans le lien qu'il y a dans la description et simplement retweeter le tweet, puis vous abonner à la page Twitter de Roro et de moi-même. Voilà, rien de plus compliqué, c'est simplement pour valider votre participation. Merci à toutes et à tous. Attends, faut que je mette le... Faut pas que je regarde. Je vais ouvrir le coffre légendaire, les gars, et je ne vais pas regarder. Vous allez me dire ce que j'ai. Vous êtes prêts? Le truc, c'est qu'il y en a plein qui vont faire le zapping même si j'ai pas le zapping. Alors attends. Pour YouTube déjà. Salut YouTube, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une vidéo opening de coffre légendaire. On peut voir qu'on a un chat déchaîné, on est plus de 200, on est plus de 250. Et c'est vraiment pas à spammer les gars, parce que là vous passez sur YouTube, on est plus de 250 sur le live. On est là tout simplement pour vous dire que je vais ouvrir ce coffre légendaire ici en live devant plus de 250 personnes. Merci à toutes et à tous d'être passés d'ailleurs sur ce live. Et donc écoutez les amis, aujourd'hui j'ouvre ce coffre légendaire, c'est le chat qui va me dire quel légendaire j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton pour gémer le coffre, et je ne vais pas regarder, je vais regarder uniquement mon chat qui est sur mon autre écran, et c'est le chat qui va me dire quel légendaire j'ai eu. Il faut savoir que moi je veux un sorcier de glace, un mineur ou un dragon d'enfer, parce que c'est les seuls qui me manquent. Comme vous voyez, sorcier de glace, mineur, dragon d'enfer. Ma préférence va bien évidemment vers ce beau jeune homme avec ses cheveux bleus. Tout simplement, le sorcier de glace, c'est vraiment la légendaire que je veux le plus. Et si j'ai un zappy, c'est la déception. Si j'ai un zappy, c'est la grosse déception. Parce que j'ai déjà niveau 2, parce que je le joue pas, parce que je le trouve pas bien, parce que je le trouve pas beau. Alors que le sorcier de glace, ça serait fou. Donc les amis, j'ouvre ce coffre légendaire. Je ne le vois pas encore. Mais s'il y a un sorcier de glace dedans, je pète un câble. Donc écoutez, je vais juste me mettre le chat sur mon autre écran. On est plus de 280 sur le live. Vous êtes des grands malades, les gars. Et donc attendez, hop. J'ouvre ce coffre légendaire du coup. Je n'ai plus l'écran devant les yeux. Je ne le vois pas. Et hop. Il est ouvert le coffre. Je regarde pas. Je regarde que mon chat. Cimetière. Ah, sérieux, cimetière. Ah, cimetière, ça serait pas mal du tout. Zappy, cimetière. Attends, je regarde. Et c'est un cimetière. Pas mal, parce que j'ai un deck cimetière qui est pas mal du tout. C'est un cimetière. C'est bon ça. C'est bon ça, le cimetière. C'est pas un sorcier de glace, mais c'est quand même un cimetière. C'est pas mal du tout. Ça me plaît ça. Ça me plaît. C'est bon ça, un cimetière, ça fait plaisir. Écoutez, cool, nickel. Je vais remonter directement à niveau 2, les gars. Cimetière niveau 2. Ok, très bien. Ça fait plaisir. Déjà c'est pas un zappy. Ça c'est l'essentiel. Vous êtes chaud? On peut espérer, on espère qu'il y a un clone là-dedans. On espère un sort de clone là-dedans. Go, c'est parti, on ouvre un sort de clone. Ah, et oui, du coup, là, parfait, t'avais raison. On débloque le sort de clonage, du coup. Cool, on le débloque. Faudra qu'on fasse des tests. Parfait. Du coup, après, on a quoi? Des rages, bon, ça. On n'en parle pas. Par contre, là, si on avait 5 trucs bien. Des bébés dragons, c'est pas mal du tout. On peut bientôt monter niveau 4. Ça va, en fait, le coffre épique était rentable, clairement. On débloque le clone. Ça fait plaisir, faudra faire des tests avec ce sort de clone.